Luciano, eigenlijk wel een wereldster en een echte legende hier op Ibiza. 5 keer DJ Awards gewonnen en manneke, die komt binnen. Zo down to earth, zo positief en totally in love with healthy food. Man, zo'n toffe gast om te hebben. Si tu vois un truc qui te plaît, on prend. Hein? Moi, j'aime tout ce qui est vert, donc il y en a assez, quoi. Je prends le panier et tu prends celui-là d'à côté. Magnifique. Alors, on prend encore un. T'en as encore repéré un? Ah ouais, tu le prends? Ouais. Voilà. Yes, top. Alors ici, betterave rouge. Ils sont toujours par 3. Ouais. Ok. Regarde. Ah, waouh. Avec 2, on est bon. Ouais. Trop cool. Super. Hop. So what's your favorite légume? Salade red beet aussi. Salad and red beet. Mmh. I like them too a lot. Alors, on va commencer avec... une petite sauce dans un petit poêlon. On va mettre les tomates. Tu peux me mettre de l'huile d'olive tout autour. Tu mets bien, tu mets poivre et sel. Ça suffit, ouais, tu peux être généreux. Hein. Okay. Je vais râper un bout d'ail. Et j'aime bien la râper parce que ça fait plus une pâte. Ouais. Voilà, ce serait une super sauce pour sur des pâtes. Ça, c'est exactement comme ça que je fais aussi mes spaghettis à la maison. C'est vrai? Ouais. Mais c'est la meilleure. Tu cuisines beaucoup? Tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, ouais. Comme... C'est... Tout le temps. C'est... Exactement. C'est la même chose, c'est un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. On les met à griller. Ouais. Voilà. Ok. Alors, tu as un favorite dish à préparer? Si maintenant tu aurais des... Non, j'aime une bien. Une copine à... Impressionner. Impressionner. Qu'est-ce que tu lui fais? Non, mais tu sais, la cuisine que je fais, moi? C'est tu ouvres ton frigo et tu la vois cuisine des restes. Ouais, mais pas quand tu dois impressionner. Non, hein. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un, je vais faire quelque chose du chili, quelque chose, je sais pas. Mais beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Ce que j'aime bien essayer de faire, c'est quand je voyage beaucoup, c'est d'essayer de reproduire les choses. Si j'ai l'occasion de rencontrer la personne qui a fait à manger, je lui demande comment tu as fait ça, qu'est-ce que vous utilisez, ou alors tout simplement découvrir des saveurs, quoi. Ouais. Mais tu es très healthy alors. Ouais. Bah, c'est le seul moyen de persister dans mon métier aussi, quoi. Garder la tête et puis le corps sain, quoi. Et ce serait quoi ton rituel de jour comme ça? Si tu dois jouer le soir, allez, la nuit, allez, le matin. Ouais. Bon, disons que je dors avant, j'essaie d'avoir un bon repas assez léger le soir. Puis après, je vais me coucher, je mets mon réveil à 3h du matin. Ouais, c'est dur quand même. Hein. C'est dur, ouais. Tu es nerveux encore? Oui, tout le temps. C'est vrai? Bah oui, heureusement. Oui, bah oui. C'est toujours avoir ce côté un petit peu de se mettre un petit peu dans une zone à risque et puis d'essayer de faire quelque chose, de se surprendre soi-même aussi, c'est surtout ça. J'ai fait pendant longtemps la machine, c'est-à-dire d'arriver, puis de savoir exactement ce que tu vas faire, d'avoir tous tes petits trucs, puis, puis rentrer dans cette routine où tu deviens une espèce de machine à performer, et puis ça, ça me botte pas, quoi. J'ai jamais fait ça pour ça, quoi. Tu es dans une meilleure période qu'avant, quand même, hein? Ouais, hein? Disons que c'est l'âge, l'apprentissage, la vie, un petit peu tout qui va avec, quoi. D'une certaine manière, je suis retombé un petit peu amoureux de mon métier. Ah oui? Tu étais un peu en rupture? Bah, la routine, quoi. Même si ça a l'air, tout le monde me dit, mais il n'y a pas de routine chez toi. Ah, oh, comme sont magnifiques, là, les tomates. Hein. Elles sont bien éclatées, bien soufflées. Ouais. On va la laisser refroidir. Ouais. Magnifique, quoi. Ouais. T'aimes bien patates douces? J'adore les patates douces. Ah, moi j'aime bien aussi. Tu les coupes en 4 comme ça? Ouais. Comme ça? Top. Tu voulais être quoi quand tu étais petit? Tu voulais devenir quoi quand tu étais petit? Moi, je voulais faire un métier qui aide les gens, quoi. Mais en fait, tu as un peu réussi parce que tu rends les gens heureux. Oui, bien sûr. Non, hein? Là, ici, maintenant, 200%. Vagabundos, on avait tous le sourire jusque-là. Hein? Chaque fois, j'amène mon petit grain de sable aussi au bonheur. Non, franchement. Et puis, mais c'est aussi, hein, j'essaie de maintenant de canaliser les trucs différemment, mais j'essaie aussi de communiquer différemment ce que je faisais aussi. On va griller, hein, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Génial. Tiens, ça me rappelle la Ayurveda, ça. Ah ouais. Voilà. Bien. Yes. Bon, moi, ce que j'apprends à mes enfants, c'est à cuisiner leurs assiettes. Je dis toujours, l'assiette, elle doit avoir plein de couleurs. Une assiette colorée, c'est une belle assiette. Ça aussi, ça, je mange tous les matins, ça. Les avocats. Ah ouais. Ah, mais on peut en griller. Ah, ça, j'ai jamais mangé d'avocat grillé. Ah, c'est chez moi du chili. Hop. Ok. Ouh. Comment est-ce que tu pourrais nommer
ton genre de musique? C'est de la musique électronique. Ouais, mais maintenant elle est très positive. Hein? Oui, ouais. C'est organic music. Elle n'a pas été sproutchée. Elle n'a pas été sproutchée. Ok, Ronnie boy. Ronnie boy. It's your time to shine, man. Perfect. We are hot and steamy and hot ready and steamy. For some refreshing mocktail. Now ice cold and refreshing. Yes. We come to you. So they told me you're an ice freak. I am a big ice freak and also glass freak. Like this is a collection of my most beautiful glasses. I can't believe it. Is it glass? Yeah, it's glass, it's wow. glass. I tend to put my garnish, like the glass itself. So we have like a very beautiful glass. Yeah. So the base of the drink is going to be, it's cordial based. So basically what is a cordial? It's basically the juice of a fruit with some powdered acids. Okay. So powdered acids are taste the same like you would have a lemon, or anything. Yeah. But it just, it doesn't have the juice or it doesn't have the texture. Okay. So what we do is I took some fresh shiso. So shiso, it's shiso. Yeah, shiso. Shiso, tu connais? Shiso. They call it Vietnamese mint. Oh. You know, so, yeah. This is the thing that they use in every Japanese dish. In sushi, dishes. Yeah, also. Yeah. And you also see it in every salad nowadays. And I'm, like, I'm always like, what is that? Yeah. It's so good. Mm. And then we're just going to do that cordial with a little bit of grapefruit oils. Just going to pour a little bit of the tonic, so we're using Mediterranean tonic. Okay. For the bubbles for the bitterness? And the bitterness, exactly. So here we go. And then we're just going to pour some of this little bad boy on top. So once you put your mouth closer and your nose will start smelling the shiso. So yeah, so this is like freshly picked from the garden. This looks stunning, really. Cheers. Ram, my friend. Salut. Thank you. Salute. On live, guys. Woo-hoo. On live. God. Mmm. God. We have shiso grapefruit and tonic. Super easy. There's not much sugar in it. So basically, it's super healthy. It's super healthy. And you get it, right? Mm. You get a lot of the shiso on top as well. Cheers, guys. I hope it's you enjoy delicious. It. It's really, thank it's you. Really delicious. Thanks so much. Alors, deux sauces encore. Silken tofu, c'est the best. On peut faire de mousse au chocolat. C'est une base, en fait. Pour c'est une base. Passé. Moi, j'aime bien graines de coriandre. Graines de coriandre. Poivre et sel. Mmh, ça sent bon, là. Ouais. C'est bon, là. Bon, ouais, vas-y, mets-le. Là-dedans, comme yes, ça. Ouais. Un peu de zeste. Un peu de citron. Le jus. Donc, on met une bonne cuillerée de tahine. Tahine. Voilà, et là, tu vas voir, on va commencer à avoir plus épais, là. Une meilleure consistance. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon. Good? Mm-hmm. Mmh. C'est ouais. Bon. Mais le tahine. Ça fait l'effet. Hein. Ouais. Et alors, nos petits bleuets, tu vois? Mm-hmm. En fait, c'est ça le petit détail. Tu peux arrêter. Il y a déjà deux minutes là, mais ici. Mais c'est comme dans la musique. Hein. Ça, on vient de faire la base, le machin, mais ça, c'est la mélodie, c'est les couleurs, c'est la même chose, composer un morceau. Nos belles tomates. Ouais. Mais là, on va mettre bien. Ça, c'est quoi de la pâte, la crème d'amande, c'est quoi? C'est juste de l'amande sans la peau. Wow. Donc, c'est assez sweet. Mmh. C'est bon! Ça, tu vois, ça doit quand même avoir... Faire ressortir un peu. Ouais, pour avoir la balance. On donne la même chose à la musique. Du poivre noir, et on y est. Ok, guys, we're ready. Mais bien au milieu, ouais. Ah. Oh. Grilled vegetables for yeah. all. Oh, delicious. Thanks for coming, Luciano. Oh my God. Anything, Luciano. This is so good. So,